Immortelles mais vieilles et laides, elles sont comme condamnées. Elles détestent les jeunes et belles, celles qui laissent loin derrière la pesanteur des années. Elles sont trois, elles sont toi, elles sont moi, elles sont nous, elles sont vous, elles sont tout si l'on y croit. Puisqu'elles touchent du bout des doigts les choix du monde et leur trajectoire et les mois. C'est ainsi qu'on les appelle, c'est un signe si ce soir la lune brille alors pour une fois. S'il vous plaît, levez la tête, et croyez-moi, elles ne sont pas celles que l'on appelle pour faire la fête. Car elles la troublent si elles trouvent la pomme d'iris ou la petite bête. Leur appétit se perd dans nos bêtises, Cloto, Atropos et Lachesis, toujours trop tôt. Quand elles nous imposent de partir, et vu les fils qu'elles tissent, Ariane doit se sentir toute petite. Pas de mariage, pas de mort, sans que les moires ne le décident, vous l'aurez compris. Pour les Grecs, vivre sans elle, c'est vivre sans peine, mais aussi sans espoir, comme un oiseau qui vivrait sans elle. Entre leurs mains notre destin, entre elles et rien notre vie tient. À pas grand chose puisqu'on s'expose et qu'on aimerait que nos efforts les exhortent à la paresse. Mais il n'en est rien, à peine on les évoque et elles apparaissent. Et alors ce sont nos liens qu'elles distordent dans la discorde. Elles les tissent et les coupent, esquivent et les coups inutiles puisqu'elles ne frappent pas ni à la gorge ni à la porte, pas de blablabla. Le saviez-vous, elles sont divines en quelque sorte. Et ce qu'elles font divise ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Déterminisme ou libre arbitre, elles omettent de nous dire que leurs fils sont invisibles. D'après ce qu'on raconte, elles aiment quand on s'allonge. Et leur pouvoir fait qu'elles sont bel et bien présentes lorsqu'on en parle. Alors n'oubliez pas de percevoir votre ombre comme le signe qu'elles vous suivent. Elles aiment qu'on les subisse. Elles voudraient qu'on les supplie comme une brindille face au vent, ou comme cette mère face à Salomon, prête à tout pour sauver son fils. Sur nos doutes, elles insistent pour qu'on évite d'être sûr de nous. Cette fois, je les entends, leur vengeance se prépare comme à chaque fois que l'on pense qu'on leur échappe. Une flamme et un jerrycan pour que s'embrase chaque voile de nos illusions. Chaque fois qu'elles nous parlent, elles le font à l'unisson. Alors pour une fois, croyez-moi et prenez le temps d'écouter vos songes. Elles tissent les fils de nos vies et tirent les ficelles. Les moires tissent les fils de nos vies. Elles tissent les fils de nos vies et tirent les ficelles. Les moires tissent les fils de nos vies. Elles tissent les fils de nos vies et tirent les ficelles. Les moires tissent les fils de nos vies. Elles tissent les fils de nos vies et tirent les ficelles. Les moires tissent les fils de nos vies. Elles tissent les fils de nos vies et tirent les ficelles. Les moires tissent les fils de nos vies. Elles tissent les fils de nos vies et tirent les ficelles. Les moires